Bonjour et bienvenue sur le golfe de Baratie en Toscane, où nous allons partir à la rencontre d'un homme engagé, Olivier Paul Morandini, retourné sur la terre de Lino, son grand-père, pour y élever des vignes et des oliviers. Fuorimondo, son domaine, est situé à Campiglia Maritima, entre la Méditerranée et les collines de la Maremme. È diventato un freddo brivido, le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Olivier? Oh! Oui, Adrien! Ah! Bonjour! Bonjour, Olivier. Bienvenue. Je comprends mieux Fuorimondo. Seuls les gens qui arrivent ici comprennent la signification du nom Fuorimondo, au-delà du monde. Au-delà du monde, vous êtes devenu viticulteur, paysan, vigneron. Vigneron. C'est quoi, vigneron. Oui. Ah, vigneron. Vigneron. Je vinifie aussi. D'accord. Donc je cultive la vigne et je vinifie. C'est un métier sportif, hein? Ah, absolument. Dehors par tous les temps. Tout à fait. Ça change de Bruxelles, capitale de l'Europe, où vous faisiez du lobbying. Ah, c'est diamétralement opposé, oui. Surtout au niveau de l'air qu'on respire. Ouais. À 35 ans, vous avez changé de vie ? 37, oui. 37. 37. Et là, vous êtes depuis 5 ans. Il y a la tribu qui a suivi, alors. Tout à fait, oui. Je vigneron de père en fils depuis 2008. on va voir ça avec tous vos amis qui sont ici pour l'instant. Oui. Parce que c'est vraiment sacré dans la saison. Tout à fait. On a à peine commencé les vendanges. Elles vont encore se poursuivre pendant à peu près 2 semaines. Et donc, c'est le moment intense, sacré. Donc très fatigant aussi, mais qui très permet... festif. Je tombe bien parce que c'est bientôt le repas des vendanges, fin de vendange. Oui, vous avez fait exprès hein, pour arriver. J'ai le nez fin, ouais. Excellent. On va voir tout ça, on va quand même aller travailler un tout petit peu, vous aider dans les vignes, rencontrer votre œnologue. Oui. Vos camarades italiens et belges. Tout à fait. Ça se mélange bien. Hein, oui, on a des amis de Belgique qui arrivent chaque année pour la vendange. Et puis les partenaires avec qui je travaille tous les jours ici, les partenaires italiens. Andiamo. Andiamo. Allons-y. Ho visto scimmie arrampicate su ogni tipo di ramo, ho visto pesci abboccare ad ogni tipo di amo, ho visto donne dalla pelle d'oro e donne more, vestite in cielo fanno pure solo con un fiore, ho visto un piede farsi avanti e l'altro che esitava, in una mano un cellulare, nell'altra la clava, ed ho pensato i miei pensieri con comodità. Alors, Olivier, quel âge ont vos plants de vigne? Ici, ce sont des vignes qui ont une dizaine d'années, elles ont exactement 11 ans, donc elles ont une forte vigueur, parce qu'on pourrait sans problème leur en donner davantage. Donc voilà, c'est une variété de Cabernet Sauvignon. Et alors, on est sur un sol calcaire, voilà, ça, c'est les pierres qui jonchent tout le vignoble, toute cette parcelle, avec une terre un petit peu plus argileuse de l'autre côté, mais on voit que la terre ici, elle est véritablement elle est blanche. Hein, je vais vous prendre un petit peu de... Là, c'est vraiment une terre très très claire. Et le grand avantage d'avoir une terre calcaire ici en exposition sud, parce que le sud est juste là, c'est d'avoir une belle exposition tout en maintenant une belle fraîcheur en finale de bouche dans les vins. On va attendre un petit peu avant de cueillir celui-là. Et on va aller voir les plantes autour des vignes qui donnent ce goût particulier à votre vin. Waouh, ça explose. Alors si t'es sympa Adrien, je vais te donner la recette de mon foie de veau de lait, oui, aux fleurs de fenouil sauvage. Ok, je vais être très sympa. Ouais. Je sens que je vais devenir sympa. Donc voilà, tous ces arômes en fait, c'est important parce que de les préserver. Donc je ne coupe pas l'herbe autour du domaine, je ne coupe l'herbe que quand elle est brûlée par le soleil. Et je veux vraiment permettre de donner un maximum d'influence
naturel sur le produit, la matière première, sur le raisin. C'est l'homme de la terre. Oui, c'est mon ombre dans la vigne. C'est Alessandro que j'ai rencontré donc en 2009 quand je suis arrivé. Alessandro, je passais devant sa vigne tous les jours et je me disais qu'est-ce qu'elle est belle cette vigne. Puis un jour j'ai appris que le propriétaire... Alessandro, ça c'est une poille. Hein. On voit qu'il a l'habitude de travailler la vigne. Et vous louez donc une partie du vignoble. Oui, ça représente à peu près la moitié de la production de Forimondo. Ici, on est sur une parcelle de 2,8 hectares. Mmh. Combien de kilos de raisins chaque année ? Ça dépend, c'est très variable, mais les rendements que l'on opère, en général, c'est de l'ordre de 20 hectolitres par hectare. Donc, quand j'ai repris en 2009, on était sur une production de 4-5 000 bouteilles. Maintenant, ça va osciller entre cette année entre 10 et 12 000 et on arrivera à terme à 15-18 000. D'accord. Pas plus. Pas plus. Non. Vous privilégiez en fait la qualité à la quantité. Mais oui, parce que le fait c'est qu'on prend du plaisir aussi sur le contrôle de toute la chaîne. Et au-delà d'une certaine échelle, ouais. On ne peut pas tout contrôler. Donc on estime que ce nombre de 15-18 000 bouteilles nous permettra de poursuivre un travail qualitatif permanent. Et à propos de travail, si on allait voir celui des vendangeurs. Tout à fait. Alors, les vendanges, Olivier, c'est souvent une histoire de copains, une histoire d'amis. Tout à fait. Donc, chaque année, on a un groupe d'amis qui évolue. Hein. Des années, on a des groupes importants en termes de nombre et des années un petit peu moins. Mais il y a quelque chose qui est permanent, c'est la fidélité. Des Italiens, des Belges, fidélité en amitié. Parce que vous êtes amis depuis la cour de récré. Depuis la deuxième primaire, depuis nos 8 ans. Oui. Chez Monsieur Jadot. Marie Jadot, voilà, qui habite mon village de plus. Voilà. Alors, Calo, lui, c'est un Italien de Chesnay. C'est bien ça, oui, de Chesnay, à Pur Wallon. Alors, est-ce que vous êtes sicilien, je crois ? D'origine sicilienne, oui, de Agrigente. Oui. Oui. Et l'occasion de ces vendanges, c'est quoi ? C'est un bain dans les, ah, oui, dans les racines. Dans les ressources dans mon pays, baigner avec la langue italienne qui me manque. Par exemple, avec Alessandro, vous parlez Parliamo italiano, sono traduttore. Amici. Amici. Non, Olivier, traduzione Carlo. Ah, d'accord, quand lui n'est pas là, c'est Carlo qui traduit. Ok. Et une amitié est venue entre nous. Ouais. Est-ce que c'est un travail sportif ? Parce que ouais, il est barré, il m'a serré la main, j'ai plus de doigts. C'est costaud quand même. Oui, ça demande quand même une bonne condition physique et supporter la chaleur. Mais on a quand même toujours un beau petit vent qui nous souffle. Et un petit vin qui est l'abzès in vino veritas. Il l'a dit. Il l'a dit oui. Ok, molto bene, grazie mille. Bon travail. Grazie de rien. C'est votre bureau ? Non, non, non. C'est un rendez-vous obligatoire le matin. Un wine bar au lever du soleil. Pas de panique, Adrien, pas de panique, tu vas voir. Grazie. Donc ça, c'est le rituel. Mon doppio macchiato matinal. D'accord. Tous les jours, c'est comme ça que je commence la journée. C'est pour être d'attaque. Oui, mais en plus... c'est pas nécessairement pour la caféine et pour être d'attaque, c'est juste pour le goût. Ils sont les rois des mélanges de café, de la torréfaction. Et tu vas voir, on va boire ce doppio macchiato, tu vas voir pendant une heure, tu vas voir ce goût qui te reste dans le palais, et qui est un mélange de douceur et d'amertume, et qui a une grande longueur, comme certains vins. Et c'est comme ça que je commence. L'occasion de rencontrer un peu les... Parce que c'est le carrefour, quoi. Voilà.
En fait, ici, le matin, il y a une activité incroyable. Et on croise... Il y a des gens qu'on ne croise qu'au bar. Ho visto scimmie arrampicate su ogni tipo di ramo, ho visto pesci abboccare ad ogni tipo di amo, ho visto donne dalla pelle d'oro e donne more, vestite in cielo fanno pure solo con un fiore, ho visto un piede farsi avanti e l'altro che esitava, in una mano un cellulare, nell'altra la clava, ed ho pensato i miei pensieri poco. Oui, en travail religieux. Oui, avec justement, il a un physique très très impressionnant. Votre collaborateur le plus proche, votre allié, oui. C'est Luca. Luca da Toma, oui, un grand nom des vins en Italie et même au-delà. C'est un des meilleurs nez en Italie. Et j'ai le plaisir de travailler avec lui, la chance de travailler avec lui depuis la quatrième année. Et on est en train de faire en fait des assemblages, donc on se voit régulièrement dans le chai et puis on voit un petit peu les directions que prennent les vins et alors on se fait des petits assemblages pour chaque fois préciser davantage la direction que va prendre chacun des vins. Tutto va bene, Luca. Très bien. Très bien. Ce sera une bonne cuvée. Oh, oui. Je suis très heureux de travailler avec ce domaine, avec Olivier aussi, mais le domaine de Volpaiole est encore une surprise à moi d'un petit domaine sur la côte, mais où c'est possible de faire des grands vins. Parce qu'on travaille sur les terroirs, il y a les terroirs, et alors pour moi c'est tout, parce que je travaille pour la passion avant et pour l'argent après. C'est bon pour la santé finalement, le bon vin. Ah, mais en tout cas, on n'a pas l'air de mal se porter. Non, non, pas du tout. C'est un vin avec très finesse. Avec... Non, je suis content. Hein. Vous aussi. Bah, si Luca est content, je suis content, mais le contrat entre nous deux, c'est... Je me concentre sur le fait de lui rapporter dans le chai le plus beau raisin possible. Et c'est vrai qu'après, c'est... La magie qui opère avec le nez de Luca et sa capacité, le talent qu'il a à opérer des assemblages. Donc l'assemblage, c'est X% Cabernet, X%, on va pas donner, parce que c'est X% Sangiovese. Et de temps en temps, c'est vrai que ça se joue à 1%. Et la première fois qu'on a travaillé sur Amae, donc le Cabernet, Luca me fait un assemblage et puis il me dit, écoute, c'est bien. Ah oui, c'est très bon. Et puis, non. Et puis, il refait un assemblage et il me dit, regoute. Et puis là, on était sur 1% de différence de Cabernet Franc. Et on avait un autre vin. Et ça, c'est vrai que c'est magique. On a 300 oliviers ici au-dessus pour une production d'huile d'olive confidentielle. Et voilà, on en a 300 ici en haut et 300 un peu plus bas, donc à peu près 600 oliviers. C'est pas si confidentiel que ça quand même, 600 oliviers, c'est du boulot. Alors ces huiles sont préparées ici avec les olives, à quel moment de l'année? On est sur la mi-octobre, en général on la fait rapidement pour des rendements un peu plus bas, mais pour une acidité également basse et une qualité de l'huile nettement supérieure. Donc à peine sortie de la vendange,
On est reparti pour l'accueil des olives qui prend à peu près 2 semaines. C'est bien, vous vous embêtez jamais? Ah là, il n'y a pas de souci, dans cette période, on n'a pas le temps de s'embêter. Non. Il y a un point commun entre le vin et l'huile, c'est le bio, voilà, c'est 100% bio. Oui, tout est fait, en plus ici, tout est fait à la main, ce n'est pas peigné mécaniquement, tout est fait à la main et absolument pas traité. Mm-hmm. Et donc l'huile sera sur nos tables pour le réveillon de Noël? Oui, en général, elles arrivent. En fait, elles sont destinées exclusivement à la Belgique. On a tellement peu de quantité. Et en général, elles arrivent en décembre ou janvier. Normalement, pour Noël, elles sont arrivées en Belgique. Ça va faire combien de litres, là? 600 oliviers? Ça dépend des années, des rendements. Mais on est en général sur l'âge des plantes que nous avons, on est entre 1 kg et 1 kg 2 d'huile d'olive par plante, donc c'est pas énorme. Non, quel boulot. Oui. C'est incroyable ça. Bravo. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips. L'attachement que j'ai pour l'Italie a commencé avec un grand-père qui était du Frioul et qui avait quitté l'Italie dans les années 20. Il est passé par la Suisse, par la France, il est arrivé dans les Ardennes belges, a épousé ma grand-mère Jeanne, a eu 4 enfants, dont ma mère. Ensuite, probablement, les premiers voyages en Italie avec les parents, dès l'âge de 8 ans. Et puis, 18 ans, étape importante, mon père me demande... Fils, que veux-tu pour ton anniversaire? Et je lui réponds, père, je veux apprendre la langue de mon grand-père. Donc il m'a envoyé à Florence, 2 années consécutives l'été. Et puis là, je me suis senti davantage italien. Et puis l'indépendance, le permis de conduire, chaque fois qu'on pouvait faire une petite escapade italienne, on la faisait. Et puis cette rencontre du domaine Volpaiole en 2003. Qui a pu concrétiser un retour sur les terres de mon grand-père. Alors Olivier, il y a le rêve évidemment du vignoble, et puis il y a la réalité financière. Comment est-ce que vous avez pu réunir les fonds pour négocier l'achat de la maison, du vignoble, de toute l'affaire? Comment ça s'est monté? Et petit à petit, mais certainement avec un dosage important au départ d'inconscience, parce que si on avait... compris et cerné tous les risques et tous les efforts que cela demande, probablement qu'on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Donc, comme dans tout projet, il faut plonger dedans. Et c'est une fois dedans qu'on peut en retirer des opportunités qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas plongé. Donc, on a vendu une maison. Alors, on a pu mettre un acompte pour acheter le domaine et puis petit à petit racheter des parts. Et donc, on s'accroche et avec la foi du charbonnier, on y arrive petit à petit. Alors, l'objectif, 20 000 bouteilles par an, pour un public de connaisseurs, où trouve-t-on vos vins? On a commencé par un réseau de vente de bouche à oreille. En fait, on a commencé avec des amis en ont parlé à des amis. Et puis, on a vu qu'à peu près les deux tiers de la production partaient pour la Belgique, ce qui était fabuleux. Ensuite, ça devenait un tel travail qu'on a pris un importateur. Et il y a des magasins et des restaurants qui reprennent nos produits, sachant que dernièrement, c'est vrai qu'on a eu finalement beaucoup de bonnes tables étoilées du Royaume qui nous ont fait l'honneur de prendre notre vin. Vous parlez d'engagement citoyen également dans votre vie précédente en faveur
d'un numéro d'appel secours européen, le 112. Tout à fait. Ici, un engagement pour une agriculture raisonnée. Vous voyez des points communs entre les deux versants de votre vie? Mais écoutez, moi je pense qu'on est locataire d'une terre et on est locataire d'une société, et je pense qu'on est redevable du système dans lequel on vit. Et notre contribution, ce n'est pas de se plaindre, c'est de tenter d'améliorer le système. Alors, ce vin, c'est un vin de niche. Quel est l'objectif derrière la production, on va dire? Qu'est-ce que vous recherchez? Avant tout, c'est de se faire plaisir et d'aller où on croit pouvoir sortir quelque chose la plus fidèle possible de l'environnement dans lequel on vit, en respectant cet environnement et en acceptant les règles que la nature nous impose, en composant à travers ce qu'elle nous donne chaque année, et de maintenir du qualitatif à tout prix pour pouvoir faire ressortir des vins qui ont de la personnalité, comme des enfants qui ont de la personnalité. On reconnaît au travers de différents millésimes les parents, on reconnaît au travers du millésime les parents des vins, mais ce sont chaque année des enfants différents. Et on ne souhaite pas qu'ils se ressemblent tous. Ça va faire 5 ans que vous êtes là. Est-ce que cet exil toscan a changé quelque chose en vous, Olivier? Quelque chose de fondamental que j'apprendrai à mon enfant, à Mathéo, c'est qu'en tant qu'être humain, on a des antennes qui de temps en temps nous disent d'aller dans telle ou telle direction, et c'est l'instinct qui est l'enveloppe peut-être de l'âme à qui on doit faire confiance, et on doit pouvoir se laisser guider par son instinct, parce que l'instinct est probablement la seule entité sur la planète qui veut votre bien à 100%. Olivier, vous pouvez nous présenter votre famille? Alors, ma petite tribu, Priscilla, ma compagne, et Mathéo, notre fils. C'est une aventure que vous avez décidé de vivre ensemble? Oui, tout à fait. C'était un choix compliqué, hein, parce que c'est un choix radical. C'est un changement de vie diamétralement opposé de la vie qu'on avait à Bruxelles. Mais on l'a fait à deux, et puis maintenant à trois. Alors Priscilla, vous aviez une autre vie avant. Il a fallu tout changer. Oui, c'est vrai que l'année 2011 a été une année de chamboulement, mais pour un mieux. Et c'est vrai que j'étais vraiment prête pour retrouver ici Olivier en Italie avec le petit bonhomme. Depuis qu'on est arrivé ici, chaque jour on a l'impression que cet endroit nous appartient davantage, parce qu'on s'y sent tellement bien, on est en telle symbiose tant avec la nature qu'avec notre travail et les gens qui nous entourent, que je pense qu'on a bien fait de donner cette carte blanche à notre instinct. Dans quelle langue élevez-vous Mathéo? On lui parle dans les deux langues. Priscilla lui parle en français, je lui parle en français et en italien. Mais j'ai envie qu'il m'appelle Babbo, qui est papa en italien. Il fait déjà la pub du vignoble? Oui, il est sur sa seconde vendange. Donc il a reçu un petit cadeau d'un producteur, Fabrizio Falcone, et de l'île d'Elbe, qui lui a offert un petit survêtement aux couleurs des vins de Volpaiole. Forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo, quando la neve di silenzio mi bianco. Retour à la case départ pour terminer cette émission, à Barati sur le golfe. Avec cette pinède, cette petite famille, ces pins qui pour vous sont les plus beaux du monde. Oui, ce sont les géants de Barati. Je trouve que c'est assez symbolique de voir comment ces colosses aux pieds d'argile sont solidaires sur leur cime. Ils se tiennent l'un l'autre, ils se soutiennent l'un l'autre. Un peu comme vous, parce que vous avez dû, Priscilla, le laisser partir tout seul en éclaireur pendant 4 ans afin de trouver le vignoble, de commencer l'affaire. Vous